Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de God of War. Donc, nous sommes à Vanaheim avec Freya, du coup. Alors, il nous manque quelques petits trucs. Genre là, il nous faut un corbeau. Et c'est tout, je crois. Artefact. Ok, il nous manque un corbeau dans cette zone-là en fait. Donc j'ai pensé à y aller, mais on est un peu bloqué. Ça, on peut pas le faire. On est un peu bloqué par l'histoire avec Freya. Donc je crois qu'on est obligé d'avancer dans l'histoire pour le moment. Ouais, je crois qu'on est obligé d'avancer dans l'histoire avec Freya. Ah, c'est pas très grave, on s'en fout, on reviendra plus tard, hein, mais voilà. Ah, ils sont. Elle est là, elle. Coucou. Ça va? Ok. Bon, on y va. Les loups nous ont donné un sceptre. Ils répondront si nous les appelons. Bien. Il existe un raccourci pour atteindre le temple de Njord de jour. Les Aineria retiennent frayeur dans le temple de ton père. Dans mon souvenir, il a toujours été vide. Il y a un hôtel céleste de l'autre côté de la rivière. Selon Bigvir, les hôtels servaient autrefois à appeler les loups. Et nous avons maintenant le sceptre qui nous permet de le faire. Quel est ton plan? Une fois au temple, j'enverrai à Beyla et Birgir un signal pour qu'ils lancent leur diversion. La colonie. Il sera bon de ne pas en faire les frais pour une fois. Nous profiterons de leur distraction pour prendre à revers la force principale. Pendant qu'Atreus et Hildis Vini se faufileront pour libérer ton frère. Oui. Et lorsque nous verrons leur signal, nous nous retrouverons sur la rive pour fuir à bord du bateau de frayeur. Ok. Ce plan paraît legit. Je veux juste. Nous devons aller sauver son frère. Ouais, non, d'accord. Ils veulent pas. Non, ils me laissent pas du tout. Je voulais voir si on pouvait prendre le portail mystique pour partir de l'autre côté de la map, mais on peut pas. Non. Go histoire. Donc on va sauver Freyr. Oh merde. Parfait. Procédons ainsi. Tiens-toi. Très bien. Tu veux qu'on aille où? On peut aller là? Freyr est détenu prisonnier. Ok, nord. Ça va. Suis Freya, mon frère. Bah, elle passe pas. Non mais oh. Arrêtez de me dire quoi faire si on me montre pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh merde. Parfait. Procédons ainsi. Ah ben putain. Ça va, c'était assez violent. C'était assez violent, cet enchaînement. J'adore. Non,
Wow, la vache. Merde, putain, mais c'est frayant, bordel. Reprends-toi, mon frère, tu peux le faire. Putain de merde. Elle m'a tapé alors que je lui faisais des coups chargés, quoi. Qui tire toujours de loin, je crois. Impressionnant. Putain de merde. Chier. Ils ont rallié plus de soldats depuis la dernière fois. Nous sommes trop désavantagés. On en parle du fait que le vol de vie s'active genre jamais. Ou pas. Je sais que je commence à me plaindre mais de ce vol de vie, mais putain. Le truc qui sort jamais, quoi. C'est par là, au nord. Par où les compas? Là. Ah, oh, putain, y a encore une truc. Cette Noken soigne ses alliés. Ennemi à terre. Il y en a encore une autre. Ah. Oh, on l'a brûlé. Là, il s'est déclenché, ça va. Normalement. Ah, les trucs, elles sont cachées et tout derrière des racines et machin. Oh la vache. Faut faire gaffe, quoi. Faut faire grave gaffe. Ah, c'est ça, du coup. Essaie de faire glisser le sceptre dans la cloche plusieurs fois. Cool. Donc ouais, c'est ce que je disais, ça va changer le décor. Oh, ça tue. Ça tue. Nos actes dans ce royaume sont ceux de la prophétie des géants. Atreus croit le Ragnarok inévitable. Les normes ont été très claires quant à la nature de la prophétie.
Elles nous ont dit que la somme de nos choix était prévisible. Mais nous avons changé. N'ai-je pas raison? Peut-être. Attention! Il est pas mort? Ski Alpha! Les Norn ont dit que tu tuerais Emdal, mais tu as choisi d'emprunter une autre voie. Lors de notre rencontre, rien ne laissait croire que tu prendrais cette décision. Et toi, cherches-tu toujours le Ragnarok? Odin a de nombreux comptes à rendre. Si la prophétie de Groa se réalise, peut-être mon royaume connaîtra-t-il enfin la paix. Et peut-être que moi aussi. Pardonnez à cette pauvre tête portative, mais ne venons-nous pas d'établir que les prophéties ne sont qu'un tas de sottises? Oh, par les dieux, Mimir. Quoi? Tu es l'homme le plus agaçant qui soit. Ça me manque d'être toujours full rage là. Là on l'est plus parce que j'ai plus la relique. Mais... C'est vrai que c'était quand même vachement bien. Je vois quelque chose. Yeah. Alors. Là, on l'a déjà fait. Avançons. Très joli. En voilà d'autres. À ton signal. C'est pas le bon, putain. Ah!
Un truc super stylé, je fais de la merde. Enfin, Kratos, pas. Excuse-moi, désolé. Alors, attends. Voilà, ça. Eh, on a bien joué. Hein. On a bien joué. C'est juste le coup de la race. J'ai pas l'habitude de jouer avec si peu de rage, en fait. Donc, du coup, ça me stresse un peu. Et j'essaye de pas l'utiliser, mais des fois je l'utilise par erreur. Genre à un moment j'ai fait le coup et je voulais pas, hein, je voulais pas du tout. J'avais regardé des gens jouer à God of War, ils sprintent tout le temps partout. Genre ils vont d'un point A à un point B quoi. C'est incroyable, je vois pas pourquoi on sprinterait partout. Tout le temps. Le jeu est super joli, genre profitez quoi, regardez. Une fois qu'il sera fini, c'est fini quoi. Ah, c'était loup-garou ça. Je crois qu'il y en a deux. J'en entends un sur la gauche je crois. Faya. Oh la putain de vache. Ça va? Ah, je vais être honnête, ça s'est super bien passé en fait. Ça s'est super bien passé. Juste je me suis pris une baffe en fait. En plus pendant que j'avais j'étais en dieu sans âme là. C'est guerrier sans âme, c'est ça qui m'a honnêtement enlevé toute ma vie, mais il m'a touché une fois, hein. Une seule fois, c'est tout. Don de bravoure, rage partiate, la bravoure régénère moins de santé mais offre une puissance bonus temporaire de force et de vol de vie. Rage spartiate. La bravoure régénère moins de santé mais offre un puissant bonus temporaire de force et de vol de vie. Ça augmente bravoure. Donc là on a de courroux et là on a bravoure. Donc ça soigne moins. Donc on a... Parce qu'honnêtement le coup de timer avec un dégât, honnêtement c'est extrêmement chiant. Mais là on aurait du force et du vol de vie. Ouais. Intéressant.
Donc en fait, on a le bonus de force constamment en fait. Ah, on n'a pas besoin de timer, je crois. Ah, ça c'est mieux. Ah, bah du coup, ça c'est mieux. Parce que timer une attaque avec la bravoure, honnêtement, c'est plutôt chiant. Enfin, c'est surtout les touches en fait. Faire L3 et R3 pour timer un truc, c'est une catastrophe. Hein. Moi, j'aime pas du tout. Mais ça, j'aime bien. Alors, on va pas l'utiliser parce que honnêtement, on a des trucs qu'on peut pas vraiment changer. Mais peut-être au troisième emplacement. Si jamais on doit. On doit changer, on doit combattre un boss ou quoi que ce soit. Ouais, peut-être la bravoure. Je sais pas. Ça me paraît intéressant. Après, je crois ils m'ont donné quoi? Une coupe remplie de sang ou je sais pas quoi. J'ai vu. Je crois Par qu'on ici. regarde ce que c'est. C'est quoi ce truc? Allez, on y va. Un coup de rage. Toujours le cadavre. Hélas, c'était un obstacle. Oh, je n'en doute pas. C'est étrange toutefois. Que faisait-elle ici? Odin s'est servi de racine de l'arbre monde dans le sort qui m'empêchait de quitter Midgard. Nithog protège ses racines, où qu'elles se trouvent. Ah, je vois. Odin s'est servi d'elle. Et elle en a malheureusement payé le prix. C'est typique d'Odin. Eh ouais. Ah. Tada. Marche septentrionale. Content de toi, de faire beaucoup de bruit lorsque nous lancerons l'assaut. Si nous les distrayons assez longtemps, Eldis Vini et Atreus pourront entrer et ressortir sans qu'on les voie. Je ne m'inquiète pas pour Atreus. Il est prêt à se battre seul. Nous y sommes. Il y a un hôtel derrière ces ronces. Ok. Appelle Skoll, s'il te plaît. Skoll. Faut mettre la nuit maintenant, c'est ça? Es-tu prêt? Oui. Et toi? Je ne partirai pas d'ici sans mon frère. Waouh, ça tue. Quand on y pense, dans les anciens jeux, ah, elle va peut-être parler. Non, dans les anciens jeux, Kratos y récupérait des choses aussi d'autres dieux parce qu'il les tuait évidemment. C'était peut-être impressionnant, on va dire plus impressionnant, genre les ailes. Les armes, genre les dagues, elles pouvaient prendre les esprits des gens et tout ça, genre, à un moment. Là, c'est peut-être moins impressionnant, mais en fait, quand on y pense, c'est extrêmement puissant. Genre, le mec, il peut mettre il a le pouvoir entre le jour et la nuit, maintenant. Kratos, quand même. Je veux pas dire, mais des trucs comme ça, c'est pas tous les dieux hein, qui ont ça. Donc, c'est assez marrant de penser à ça. Et je voulais dire une chose, Freya. Elle est typique de 90%, 99% même, des jeux où les boss, quand ils rejoignent votre camp, ils deviennent beaucoup moins puissants. Genre, on l'a combattue, elle a récupéré ses ailes de Valkyrie, du coup, donc elle a les pouvoirs de Valkyrie. Mais elle est nettement moins puissante quand on l'a combattue. C'est incroyable. Le seul jeu où les boss, vous pouvez les jouer. Ou alors quand ils sont dans votre camp, ils sont extrêmement puissants. C'est genre Devil May Cry avec Vergil. Vergil, c'est toujours un boss. Il est extrêmement puissant. Et quand vous pouvez le contrôler, genre dans les éditions spéciales, genre le 3, le 4 et le 5 de jeu, c'est pire. C'est encore pire. Le Vergil est encore nettement plus puissant, en fait. Vous pouvez défoncer tout le jeu en une fraction de seconde parce qu'il est tellement puissant comme personnage. Mais c'est marrant de penser à ça, comme ça.
Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va... Nous venons te chercher, Yngvi. Qui on va rencontrer ? Oh, waouh ! Oh, la vache, c'est quoi ça ? Vous venez de révéler votre position. Oh, merde ! Oh, les imbéciles ! Oh, voyez-vous ça, la reine du Guy en personne. Il la rend vraiment. Ça faisait longtemps. Emdahl. Oh non. Et toi, tu non. dois être le père du petit bâtard. C'est mon jour de chance. Tu as des comptes à rendre, mon lapin. Toi aussi, traître. Je préfère être un traître que le toutou d'Odin. Va. Ce fardeau est le mien. Je peux t'aider. Je sais. Mais tu es attendu ailleurs. Il a raison, tu sais. Les braises étaient encore tièdes lorsque je suis parti. Je sais que tu ne voulais pas de ça. Mais nous savons comment ça se terminera. À bientôt. Oh, nous savons tous les deux que c'est faux. Mais ne t'en fais pas, Frigg. Je viendrai pour toi et ton cher frère dès que j'en aurai terminé, ici. Alors, allons-y. Oh, tant d'agressivité, tant de colère. Avec ta réputation, merde. Je m'attendais au moins à transpirer un peu. Les lumières vont s'éteindre, cogneur. On le masse, on lui fait tellement de dégâts, c'est un truc de ouf. Par contre, il bouge pas. Il y a que la lance qui le stunait en fait. Ah, ça fait chier ça. Oh, tant d'agressivité, tant de colère. Je ne vais pas mentir, je suis déçu. Oh là ! Quoi que ce soit ? Avec ta réputation, je m'attendais au moins à transpirer un peu. Renverse-le, Gustafel. Vraiment ? C'est toi qui as tué Baldur ? On a du Bifrost. Allez, petite bestiole. Oh. Tu t'amuses bien ? Ça va, c'est... elle est pas extrêmement dure. Yes. Très bien, juste toi et moi dans ce cas. Ça ferait très mal. Si tu me touchais. Oh tiens, le retour du bâton. Oh pardon. Tu espérais que le bâton te donnerait un avantage. What the fuck. Qu'est-ce que... Je sens ta frustration, tu sais. C'est extrêmement satisfaisant. Comment ? Et maintenant, mon frère,
La lance est notre meilleure chance. Hilarant ! Méritier des As, terrassé par la canne d'un vieillard. Pourquoi ça a marché tout à l'heure ? Non ! Non ! Dangereux ! C'est quand tu veux ! Tu fais un peu trop durer le plaisir. Je sais pas pourquoi c'est passé en fait. Allez, à toi ! Faut qu'il tape en même temps. Je vois la ressemblance à présent. Dis donc, par les yeux, que tu es très visible. Triste ? Tu nerres enfin ! Putain, je J'attends. Sais pas. J'attends. Difficile à dire. Allez, à toi. Tu fais un peu trop durer le plaisir. C'est quand tu veux. Hey, il esquive bien en plus, hein. Il esquive exactement où je tape, c'est vachement bien fait. Tu nerfs enfin. J'attends. Non mais là on fait tu quoi, fais là. Un peu trop durer le plaisir. Faut que j'absorbe quelque chose. Allez, bats-toi. Je comprends pas sa barre, pourquoi elle est rouge. Enfin. What the fuck. Oh, on l'a eu. C'est quand tu veux. Oh, attends. Ah! Hey, doucement! Des brassards tout neufs! Ah, il a compris le stratagème. Ben, je pense que c'est comme ça, je vois tout que ça qui marche en fait. Putain, merde. Il s'amuse avec nous, quoi. Oh. Tu m'as porté un coup. Pas si vite. What? Je suis pas là. Oh, je ne me rappelle même pas la dernière fois. Tiens. Frappé. Tu penses que tu vas pouvoir renverser Asgard? Vraiment? Pas si vite. What the fuck? Frappe-le, rien qu'une fois. Il suffit de trouver une ouverture. Et voilà, une armure digne d'un dieu. C'est le moment. Tu sais, la douleur est moins terrible que dans mes souvenirs. Ah, elle fait exploser dans sa main. Ah,
vieille vache. Ah putain. À moi. Je comprends pas. Je comprends pas là, quand le temps ralentit, moi je fais la fureur parce que j'en ai. Mais comment... Il me dit tape, mais putain, mais le temps il est ralenti. Comment je fais pour taper? Pas si vite. Genre là je fais quoi là? What? Je ne saurais dire si je suis surpris ou contrarié. Oh, mais c'est une grosse colère, ça. Je sais pas, on va faire et ça. Et voilà, une armure digne d'un dieu. C'est où la pierre? Frappe-le! Rien qu'une fois! Il suffit de trouver une ouverture! Tu sais, la douleur est moins terrible que dans mes souvenirs! Ah, bon poste! Pas si vite! Non, mais je fais quoi là? Tu frappes comme une vieille vache. Maintenant. Il faut la lance. J'adore ce truc. Putain. Ça suffit. Mais quand me suis-je servi de cette épée pour la dernière fois? Tu penses que tu vas pouvoir? Go 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 go. Vas-y. La chance, voilà ce que c'est. Ça va, arrête. Ouh. Étrange le combat. Quoi? Que se passe-t-il dans cette toute petite tête? Oh non, 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 non! Tu comptes me laisser la vie sauve? Par pitié! Abandonne et tu vivras peut-être. C'est à propos de l'avorton? Oh oui, j'ai la ferme intention de l'étriper. Oh, la vache. Oh mon dieu. C'était le dernier avertissement. Je doute que les avertissements suffisent. Tu penses vraiment que tu vas pouvoir t'en tirer comme ça? Ouais. Non. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Kratos reste un... Tu n'es pas et tu ne seras jamais le maître de mon destin. Tu es mort, mon lapin. Oh mon dieu. Les lumières vont s'éteindre, cogneurs.
Le premier combat était un peu scripté et tout ça, donc je comprends maintenant. Ah, il est pas cruel, il est, enfin, il est juste, non, il est cruel un peu que Kratos d'avoir fait ça, mais c'est normal. Bon. Pas si vite. Oh putain, encore. Non mais je fais comment? Tu prends beaucoup trop au sérieux. À moi. Comment? Ah mon dieu de merde. Ignores-tu qui je suis? Je suis le Seigneur des âges, le héros du Ragnarok. Merde. Je vais trouver ton sale bâtard de fils et réduire son corps. Oh la pute. Oh la vache. Les lumières vont s'éteindre, Seigneur. On lui fait très mal et tout. La lance fonctionne bien. Il y a encore une mécanique que j'ai pas trouvée. Hein. J'ai pas comprise. Hein. C'est quand on. Quand le temps ralentit. Genre, il lance un caillou. Est-ce qu'on peut le rattraper, le caillou? Ben non, enfin, le temps il est ralenti. Genre, le prendre avec les lames et je sais pas, lui balancer dans la gueule. Allez, c'est parti. Tu te prends beaucoup trop au sérieux. Pas si vite. Alors peut-être qu'on peut l'esquiver, l'extrémiste. Je suis le veilleur des as, le héros du Ragnarok. Maintenant là, je fais de la merde. Je vais trouver ton sale bâtard de fils et réduire son. Ouais, genre là, je fais quoi? Ah, si vite. Bon, on bloque, hein. Un seul d'entre nous s'en sortira. Et je peux t'assurer que ce ne sera pas toi. Ça va être chaud, ça va être chaud. Mais ouais, non, on va y arriver. Mais il est sympa, il est intéressant comme combat. Il est intéressant. Tu te prends beaucoup trop au sérieux. Ignores-tu qui je suis? Merde. Je suis le veilleur des as, le héros du Ragnarok. Ah, je peux le bloquer, ok, ok, ok. Je vais trouver ton sale bâtard de fils et réduire son corps en bouillie. Pas si vite. Un seul d'entre nous s'en sortira. Et je peux t'assurer que ce ne sera pas toi. Comment as-tu osé m'épargner? Je commence à en avoir assez de toi. Ok, cool. Oh!
Ça valait le coup, ça valait le coup. Guerrier sans âme, ça a aidé. Mon frère! Mon frère! Arrête! Ne t'engage pas sur cette voie! Tu es un monstre. C'était ses dernières paroles. Kratos, c'était vraiment... J'ignore si c'est nous qui brisons le destin, ou si c'est le destin qui nous brise. Heimdall. Ah, t'es tous ceux qu'on m'avait décrit, brutal, cruel et prétentieux, un adversaire redoutable dont je ne pouvais me permettre d'ignorer le don de prescience et la maîtrise inattendue du Bifrost. C'était pas mal. Quand j'ai porté le coup qui aurait dû mettre fin au combat, j'ai tenté d'écouter cette voix qui me disait que j'avais déjà vaincu, qu'il ne valait pas la peine d'être tué. Mais Heimdall l'a senti et il en a eu honte. Sa fierté ne lui permettait pas d'accepter ma pitié. Alors j'ai fini par la lui refuser. Ce n'était pas mon choix. Pourtant, je ressens de la satisfaction. Ai-je donné tort aux Nornes ou leur ai-je donné raison ? Eh ben. Ouais, à un moment vers la fin, là on se prenait des coups parce qu'il tapait en même temps, mais ça valait le coup, il fallait le tuer. Il fallait le tuer. Oh mon dieu. On arrive. On arrive. On a récupéré deux objets de son corps, je sais pas si c'est rare ou pas, mais bon. Hey, un petit coup de main ? Au moins le sauvetage se passe bien. Pas très content, Kratos. On a récupéré sa corne aussi. Pas mal. Je sais pas à quoi ça va nous servir pour nous. C'est quoi ça? Devine quoi? On est tombé dans le meilleur réfléchir. Nous devons le faire sortir d'ici. Je peux. Mais nous ne passerons pas la porte. Nous sommes piégés. Merde. Un coup, ça m'a fait très 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 mal. Je veux les pierres, bordel. Je voudrais bien récupérer les pierres qui sont au sol, honnêtement, Kratos, s'il te plaît.
Encore ou pas? Elle est en dessous. Putain. J'ai pris cher. Que dalle avec le chien. Non, la pierre, Kratos, c'est toujours la pierre qu'on veut. Ouais, là, j'ai merdé. Putain, c'est une... Non, je veux recommencer le combat sans utiliser ma berserker. C'est 5000, c'est cher. Le combat est bien, c'est juste que... Ouais, non. Faut une autre touche hein, pour prendre les pierres. Putain. Ah. Attends, par contre, un truc intéressant. J'ai vu que, jouabilité, on peut récupérer les pierres automatiquement. Personnellement, ça m'embête. Ça m'embêterait plus qu'autre chose. Collecte automatique. Alors, ramassez automatiquement divers objets au sol en vous en approchant. Collectez les pierres de guérison ou de rage quand nécessaire. Économique hors combat, collecter de l'argent et ressources et le butin lâché. Total, collecter les pierres de guérison ou rage quand nécessaire hors combat, collecte. Voir essentiel. On va voir ce que ça nous fait. Bon allez, ramène ton cul. Genre là, Kratos, il y a une pierre là par contre au sol. Genre, qu'est-ce que tu fais, Kratos, du coup? Est-ce que tu vas la prendre automatiquement? Est-ce que ça va me bloquer? Parce que normalement, il tape dessus, il met un coup de pied dedans, donc qu'est-ce que ça va faire? Bon, on me fait chier. Je vais le changer les options, j'ai peur de ce que ça fait en fait. J'en sais rien. Il n'y a pas la touche qui s'affiche en fait. Et je fais au cercle et ça les prend. Je sais pas, c'est étrange. Voilà. Bon, ramène ton cul et descends, c'est une horreur. Ils auraient dû le mettre devant en fait. Oh mon dieu, il se téléporte. Non, toujours pas, non, c'est pas ça que je vais faire. Wow. Ah, t'es puissant, toi. Non, mais Kratos! Putain, mais tu me fous dans la merde, gros! Bon, je vais enlever cette option parce que je sais pas ce que ça fait. Ça me stresse. Ça veut dire quoi, quand nécessaire? Ça veut dire quoi, bordel de merde?
Genre, ce qui s'est passé là, je voulais prendre la pierre qui était par terre et il s'est accroché à la bordure et je me suis pris un coup dans le dos, quoi. Ça, là, je suis dans la merde maintenant. J'étais bien là, j'étais remonté en vie et tout ça. Là, je suis dans la merde. Très bien. Petit téléport, quoi. Eh merde! La porte est ouverte. Peux-tu marcher? Pas sûr. Je vais essayer. Non, ne bouge pas. Je trouverai une solution. Bravo, on peut y aller. Ouais, je sais pas. Bon, le combat était pas très difficile, honnêtement. La zone est grande et on est quand même vachement plus puissant et tout. Nous devons partir. Mais ce qui m'a foutu dans la merde, bah, c'est toutes les accroches en fait. C'est complètement toutes les accroches. Je sais pas si on peut changer. Sauvegarder. Je sais pas si on peut changer ça dans les paramètres, mais là ils nous ont mis une arène qui est une catastrophe en fait. Interagir. Ouais, mais interagir. Interagir partout en fait. Non, voilà, là c'est caméra verrouillée sprint. Ah, c'est l'arène catastrophique, quoi. L'arène bien catastrophique pour le problème de la touche d'interaction. Ça, c'est très très con. Je sais que des fois j'en fais des caisses hein, par rapport à ça, mais voilà, ça gâche en fait. Changer les touches rond et serre, ici, monsieur. Non, c'est bon. Ça, c'est japonais, en fait, entre le Japon et le reste du monde. Le Japon, pour eux, croix, c'est validé, je crois. Et le cercle, ça veut dire non. Alors que pour nous, c'est l'inverse ou un truc comme ça, je crois. Et du coup, il y a les PlayStation au Japon, de base. Et si on prend des versions japonaises, les touches cercle et croix, c'est... C'est inversé, par défaut. Faut aller dans les options pour changer ça. C'est pour ça qu'il y a cette option, je crois. Je vais le porter. Pardon ? Je peux très bien. Tu ne peux pas. Au, au, au. Allez, on y va. Avec moi ! En avant ! Ah. On a de la visite derrière. Putain de merde, t'es sérieux ? Non. Ça va. D'accord. C'est énorme. Je suis droit devant. Oh, sérieusement? Non, Zach. Kratos, c'est un sauveur maintenant. Ouais. Magnifique, mais... C'est un dieu de la guerre, mais c'est un dieu qui fait tout. À la guerre, il y a du sauvetage dans la guerre. Allez. On y est bientôt, non? C'est super. Sur ta droite. Continuez. Nous sommes presque à l'arrivée. J'ai envie de vomir. C'est superbe. Ah, j'adore cette séquence, elle est cool. Où est le bateau? Lance-le dans la rivière. Dépêchons-nous, ça ne les arrêtera pas longtemps. Ouais, Kratos c'est un dieu de la guerre, mais maintenant il fait tout, hein. Mais oui, Skiz Blasny, le bateau de Freyr. Ils vont se rassembler, allons-y. C'est lui le vagabond, je crois, ouais.
Elle est cool cette séquence. Super cool. Oh, il a la corne derrière attachée. Il est rapide. Oh. Oh non. Ouais. C'est pas vrai. Tenez bon. Dis-moi qu'il vole le bateau. Ah, il vole. Vous auriez dû voir vos têtes. Du calme. Il vole. On vole. Je savais qu'il volerait. On a de la compagnie. Oh oh. Mon dieu, c'est quoi un dragon? Ah, une fouine. Il y en a un autre. C'était trop beau pour être vrai. Quelqu'un peut m'aider? Ils vont trop vite. Attention. J'arrive pas à les viser. Derrière toi. Oh, qu'est-ce qu'il va faire le vagabond? Tyr Fi. Tyr Frendur. Birgir. Tyr Sjadvrutin Salma. Eivindail Aldrin, Noya. Domor. Umdoden Eivindail. Birgir! Non! Wow. Il a eu les deux. Il a peut-être survécu. Hein. Kratos, il a survécu quand il s'est combattu sur le dos d'un dragon et tout ça, et qu'il s'est crashé. Bon, après, c'est un dieu. C'était joli. Oh. Très joli, cette séquence. Il va devoir bon dire. Sang, Birgir. Oh, allez. Tu penses vraiment que ça en est fini de Birgir? Tu penses qu'il a pu survivre à ça? Il est quelque part à se curer les ongles avec les plumes de la bête. Je le sais, Lille. Et... ah. Il a survécu. Nous y sommes presque, Yngvi. Tu dois tenir encore un peu. C'est pas comme si j'avais d'autre choix pour le moment. Lunda. Lunda, il nous faut du linge et de l'eau chaude. Une racine rouge et de la cardamine. Je sais. Tu crois que c'est la première plaie que je referme? Oh, mais t'as pas de soucis à te faire, hein. J'ai pas touché à tes affaires pendant que t'étais dans tes galères. Hein. Oh, bon sang, Lunda. Doucement. Pourquoi tu t'en prends à moi? C'est pas moi qui t'ai embroché comme un cochon. Excuse-moi. Freya, tu veux bien l'aider? Ou même venir prendre le relais? Reste tranquille. Elle va te stabiliser pour que je puisse t'emmener chez Sindri. C'est là que sont toutes mes herbes. Nous restons ici pour protéger le royaume. Tous les quatre. Vanaheim compte sur vous. Cap sur la maison de Sindri? Où qu'elle se trouve? Ton bateau. Non. Je t'en fais cadeau. C'est bon, garde-le. Envole-toi
Prends le soleil à son bord, ça te fera pas de mal. Sois digne d'un dieu Van. Oh. Ah, prends le soleil. Il est pas pâle. Son bateau. Il a des cendres. Génial. Bref. Ouais, faut lui expliquer maintenant. Il ne m'a pas laissé le choix. Parce que c'était nécessaire, pas parce que c'était écrit. Ah, il en a des trucs à la ceinture maintenant. Mon Dieu. La prophétie dit que le Galarorn sonnera le Ragnarok. Quoi que cela implique. J'ai fait des recherches dans la bibliothèque d'Odin. A priori... Non, Atreus, nous parlerons en privé. Regarde-moi ça. Il a sa lampe, la bourse là, avec je sais pas quoi dedans, le couteau. Désolé, encore une pochette. C'est Birgir qui m'a trouvé blessé dans la jungle. La Galahorn. Alors que je tentais de vous rejoindre ici. Les armes. Il y a l'anneau aussi. On le voit. Pendant mon sommeil. On le voit là. Je ne l'ai jamais remercié. C'est classe. Si tu veux le remercier, ne te fais plus capturer. Tu me le promets? Je te le promets. On a trouvé le journal du consul. Merci, Kratos. C'est précisément ce que nous espérions. Le consul a risqué le pire pour comprendre les erreurs de nos ancêtres. À présent, ces leçons subsisteront. Merci, Kratos. Les elfes ne l'oublieront pas. Nous ne l'oublierons pas. Ils ne risquent pas non plus d'oublier le sang versé depuis tout ce temps. La paix existe pour chacun d'entre nous. Personne ne dit qu'il sera facile de l'atteindre. C'est vrai. Bien. Emdahl est mort. Bien. Vraiment ? Écoute, j'y connais rien au destin, mais je sais que Emdahl était un enfoiré sans vergogne de première classe. S'il voulait s'en prendre à ton petit, alors c'est une bonne chose qu'il ne soit plus de ce monde. Les Nornes ne le voyaient pas de cet œil. La vie de ces trois vieilles peaux recluses vaut pas un pet de chèvre dans un ouragan. T'as fait ce qu'il fallait, y a pas à tortiller. J'espère que toi et ton rejeton, vous avez pas de nouveaux trous à déplorer. Nous allons bien. Oh mon chou, t'as pas à t'en faire pour lui. Je l'ai reluqué de la tête aux pieds dès que j'ai eu fini de rafistoler Fryer. Vraiment. Ah ah, on a deux talons. Alors, quand la chose du maestro est totalement chargée, les attaques réussies à la lance ont une chance de modérer de conférer une grâce de renouvellement. Ça, c'est intéressant, mais bon. Ah, la perte de la défense et de la vitalité, ça me fait mal, ça. C'est un de mes étourdis qu'on fait un excédrage. Ah, oh, un talon qui a vu bien la bataille achevée, bien les amis, commissaire. Ah, ça m'intéresse, ça. Ça m'intéresse... Attends, nous on a niveau 7. On peut voir un peu la différence. Bon, on perd la chance. On gagne de la vitalité. Ça m'intéresse. Parce qu'elle étourdit bien, hein, la lance. Ça va, hein, avec les enchaînements et tout ça. Je trouve ça cool. Ouais. Ça sera plus intéressant de toute façon que ça, que ce qu'on a. Et c'est de la défense et vitalité, c'est ce qu'on a besoin. On va le mettre. On va l'équiper. Alors est-ce qu'on va le monter de niveau? Ça c'est une autre histoire. Je vais voir un peu. Os pétrifié. Faut pas que je fasse le con avec les objets. Donc, la Dropnir. Os pétrifié. On en a que deux. Je pense qu'on va faire ça. En fait, on n'augmente pas vraiment parce qu'on change et on revient et tout ça, c'est un peu relou. Les braises brûlantes, non. Ouais, ça, on en a. Ah, on a les cendres divines, ça y est. C'est intéressant, mais. Mais les braises brûlantes, on en a qu'une seule, donc on va les garder de côté. Alors là, il nous faut encore un lingot.
vraiment cool cette armure, honnêtement. Point lingot. Là, on en a. Là, on pourrait faire 2 et 2. On pourrait faire 2 et 2. Et augmenter tout ça au niveau 7. Donc, toute la panoplie serait au niveau 7. Ou alors, on attend pour mettre l'armure au niveau 8. Je vais être honnête, j'ai un peu peur que ça, on le change au bout d'un moment. Enfin, même si, honnêtement, je vois pas en quoi on pourrait le changer. Ouais, non, mais l'argent... On a des problèmes pour l'argent. Je veux bien mettre tout à 7. Mais il nous faut de l'argent. Plus jamais j'achète une pierre de berserker. Plus jamais. C'est trop cher. Grave trop cher. On l'avait récupérée où celle-là, cette armure? Est-ce qu'elle est vraiment pratique du coup? Ouais. On... Avec ça, t'auras pas une seule égratignure. En plus, ça change. Il nous faut encore un peu d'argent. Ça change, je veux dire, le skin, il change, on le voit. Il est sur sa forme finale. Voilà. Avec ça, t'auras pas une seule égratignure. Moi, c'est pas mal. Et la prochaine sera ça. L'amulette, on est bon. Les armes, on est bon. Dropnir, elle commence à être sympa. Avec ça, c'est bien, là. Je suis content. Les lames du chaos, comme j'ai dit, on les utilise pas énormément, donc on s'en fout un peu. La hache, ça, c'est plutôt pratique. Honnêtement, piège du serpent, là, je commence à bien le maîtriser, à le faire souvent. Ah, parfait. On est 6,5, à peu près. Alors, on a une nouvelle relique. Déforme le temps et l'espace en exécutant, un glissement de royaume. La poignée de Ufud. Améliore pour augmenter la durée de cet effet. 211 secondes. Autrefois, maniée par Heimdall, la sentinelle des As, cette épée a privé bien des têtes de leur corps. Ah, on a la poignée de l'épée, en fait, de Heimdall. Ok. Intéressant. Mais moi, je suis plus intéressé par ça. Ouais. Hop. Là, ça va chier, là. Là, ça va bien chier, ça va faire bien mal. Les chakrams bifrost sont intéressants, hein. Très intéressants. Donc ça va faire ouais, glissement de royaume, ça veut dire que le temps ralentit. C'est bof, honnêtement. J'ai jamais vraiment aimé. Dans le 1, il y avait des habilités qui faisaient ça. Mais j'ai jamais vraiment aimé. Ça sert pas à grand chose. Amulette. Enfin, ça sert pas à grand. Oui, si ça sert, mais voilà, c'est pas trop mon truc, quoi. Alors... Emblème des 9 royaumes. Augmente les dégâts au corps à corps lors du glissement de terrain. Ah! Ok. Emblème intemporel qui renforce le guerrier capable de glisser entre les royaumes. Ah, ok. Donc là, on a... On peut faire une sorte de build avec le glissement de terrain. Je crois qu'on avait...
On a les armes, je crois que les manches là qui font ça aussi. Je sais plus sur quoi. Je crois que c'était sur la lance. On n'avait pas quelque chose qui faisait un glissement de terrain. Glissement de royaume, pardon. Dagmarvin déclenche un glissement de royaume. Ouais. Ça peut être intéressant à la limite si vous aimez combattre avec les dagues. Parce que vous mettez ça et tant que quand vous avez activé le glissement, enfin quand vous avez activé l'immolation, c'est un glissement tout le temps en fait. Donc vous mettez ça avec le joyau là qu'on a récupéré. Ça peut faire mal. Ça peut faire très mal. Moi, c'est pas vraiment mon style, par contre. Ah, voilà, on a ça. Permafrost glacial. C'est bizarre que ce soit en rouge. Là, c'est une erreur, là. Il faut le changer en bleu. C'est bleu, les trucs de la hache. Ah. Ouais, vous pouvez faire des glissements de royaume, en fait, avec les armes. Plus la poignée de son épée. Heimdall. Là, ça peut être bien. Je sais pas si ça vaut le coup, en fait. Moi, je suis pas fan. Ouais. C'est intéressant. En tout cas. En tout cas, c'est intéressant. Avec le chien. Avant votre retour, quelqu'un a filé. Nous devons décider s'il nous faut abandonner le camp. L'ennemi a pu découvrir son emplacement. On ne m'a pas suivi. Si je suis sûr d'une chose, c'est bien de ça. Il y a un truc avec le chien, par contre. On va aller voir ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Elka a flairé quelque chose. C'est peut-être important. On ferait mieux de la suivre. Ah, c'est un service. Hop. Ça, c'est du secondaire. Des traces. Celle d'Elka. Mais comment elle va dans l'eau ? Où tu nous emmènes, ma belle ? Ok. Apparemment, elle peut aller dans l'eau. Alors, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? On n'est pas obligé de rentrer tout de suite, si? Regarde! Oh, wow. Des traces! Celles de notre chienne à l'odorat développé, et nous sommes sur la bonne voie. J'aime bien et aussi. Ma grande, on est là! J'aime bien aussi le jeu, il te dit. On ferait mieux de la suivre. Il te dit si t'es libre de faire du secondaire ou pas. Ça, j'apprécie énormément. D'autres empreintes. Sacrée pisteuse, cette petite baveuse. Où est-ce que tu vas? Ah, c'est parce que j'ai regardé dans cette direction. En fait. Bon, bah on continue. Qu'est-ce que... Wow! Putain, t'es sérieux? Putain de truc de merde. Et merde. Putain, c'est pas ça que je voulais faire. Oh la vache quoi, ma vie. Elka a laissé d'autres traces. J'ose le dire, elle me semble aussi bonne pisteuse que toi. Elle me surpasse. Mes yeux peuvent me tromper, pas à son museau. Est-ce que tu aimerais pouvoir te changer en animal de temps en temps? Non. Et elle repart. Ah. On peut passer là. Ah oui, c'est où c'est qu'on a combattu, oui. On avance.
Ah, j'aurais dû le faire avec la... la lance. J'ai été con. Il va falloir qu'on utilise la lance un peu plus souvent. T'as toutes mes armes, elles brillent. On dirait qu'on est sur la piste d'Elka. Attends, il y a une note, non? Attends. Ah, elle est passée par cette corniche. Mais on ne peut pas la suivre à cette heure de la nuit. D'accord. Dieu de la guerre qui peut... qui peut faire jour et nuit, quoi. On arrive, Elka. Elle doit plus être très loin. Ah, Birgir, bah le... Tu peux rentrer le... maintenant, Elka. Le vagabond. On va se débrouiller. Ah, oh, ça tue. Magnifique. Je contrôle pas, hein, c'est automatique. Comment Birgir aurait-il survécu à une telle chute? Par magie, peut-être. On lui posera la question quand on l'aura sorti de cette situation. Nous devrions pouvoir repérer Birgir de là-haut. Pourquoi tout le monde avait l'air d'avoir peur de cet endroit? À ce propos... Dragon! Super. C'est parti. Atreus. Je vais bien. Et toi? Il avait l'air en colère. Pourquoi, à ton avis? Nous sommes dans la bonne direction. Je me demande où on est. Cela semble être les ruines d'une ancienne colonie Van Prosper. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, je n'en sais rien. Raison de plus pour quitter ces lieux. On est où exactement? Ça tue, on est une toute nouvelle zone, c'est trop cool. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Non, c'est juste une plante. Ah! Putain, mais c'est... Ouais, non, c'est juste une toute nouvelle zone, en fait, à Vanheim. C'est super. Ce signal, Birgir est en vie. Si ce dragon continue, plus pour longtemps. Il vivra. Vous voyez ce que je vois? C'est un éclair. Mais... il est... gelé. Comme lors de mon combat avec Thor. Mais pourquoi y en aurait-il un similaire à Vanheim? Exactement. Par contre, il y a un passage là en face, je crois. Tu vois? Ah, ça tue. C'est vraiment cool, ça. On a une grande zone, une grande nouvelle zone, ça tue. Genre là, il n'y avait pas un passage? Mais je l'ai rêvé, en fait. En fait, il n'y avait strictement rien.
Ah, vous pouvez faire un combo, j'ai en train de me dire, là, avec le glissement des royaumes. Vous utilisez bah, la même armure que moi. Ça va augmenter vos dégâts. Le bijou, ça va augmenter vos dégâts. Donc, ouais. Ça peut être vraiment puissant. C'est quoi ça? Une brèche. Putain, mais c'est énormissime! Ça tue! Ah, il y a une tombe aussi. Oh mon dieu! Ah, ça tue! Ils sont niveau combien aussi, par contre? Voilà le dragon, il est en colère. Comme c'est blanc. Ah ah ah. Bon, on l'a fait partir. S'enfuit. Il frappe avant de se replier. C'est... Ah, c'est du Dark Souls, quoi. On n'est pas les bienvenus sur son territoire. Les tourbillons, ils sont plutôt petits. Magiques, peut-être. Ils sont un peu étranges. Que veux-tu qu'on fasse à leur sujet? Je sais pas. Peut-être que si on revient la nuit, ils auront changé. Oh. Bon, en plus, c'est une zone qui va changer quand on... jour et nuit, quoi. Oh mon dieu. 4000, ça fait plaisir. C'est trop bien, le jeu. Oh. Oh, okay. Attendez, par ici. En plus, il y a des quêtes. Mais c'est no... c'est trop bien. Putain. Parle. Le jour où cette vallée a été détruite, mon esprit s'est déchiré, coupé en deux. Une part de moi repose ailleurs, avec mes restes. Peut-être qu'en reconstituant cette broche, tout deviendrait plus clair. Je serais en paix. Que te rappelles-tu du jour de ta mort ? Tout est flou. Je me souviens que j'étais nerveux. Cette broche, j'allais demander sa main à ma bien-aimée. Je vous en supplie. Aidez-moi à me souvenir. Ensuite, je pourrai vous parler de ce qui s'est passé ce jour-là. Tes restes, où sont-ils ? Je contemplais la vallée. Puis le sol s'est mis à trembler. J'ai tenté d'éviter un pilier qui s'effondrait, mais je n'ai pas dû réussir. Ok. Ce spectre nous dira peut-être ce qui s'est passé dans cette vallée. Si le Léviathan a gelé cet éclair, crois-tu que ça veut dire que... Mère, t'es là? Ça ne veut rien dire. Nous ignorons si Faye est venue ici. Certes, mais cet éclair gelé raconte une histoire inachevée. Si on veut savoir ce qui s'est passé ici, cet esprit doit nous dire ce dont il se souvient. Alors allons-y. Ça aussi, hein. Je suis sûr que c'est des choses qu'on va pouvoir ouvrir plus tard. Ça, c'est de la magie vanne, j'en sais rien. Ok, on se balade. Ah, mais on est sur le bon chemin pour la quête. On se balade, hein, honnêtement. Je comprends pas. Des vannes vivaient ici? Mais c'est qu'un cratère. Ce n'était pas un cratère quand ils vivaient là. Il s'est passé quelque chose. Mais quoi? Une explosion? Il a dû être vraiment puissant. Aucun doute possible. C'est le même que l'éclair gelé de Midgard. Pourtant, je ne suis pas venu ici. Étrange.
quoi ce bruit? Ok. Ce cadavre est différent. Les dragons ne laissent pas ce genre de marques. On a déjà vu ces marques dans les mines de Volunder, tu te souviens? Il doit y avoir un mangeur d'âmes ici. J'entends les animaux. Ils ont peur. Oui, ouvrons l'œil à la recherche de cadavres. Les mangeurs d'âmes aiment se cacher au grand jour. Mon dieu, il y a plein de trucs à faire. Magnifique. Magnifique. Trouver d'autres indices à présent d'un mangeur d'âmes. Alors la rage. Ouh, elle est bonne la rage. Oh mon dieu, ça nous a fait... Honnêtement, ça nous a fait la petite barre là, entière, et un peu plus. En plus, j'avais absorbé le... l'élément. Oh la vache! Ça tue? Ça tue, ça tue? On va faire des polissements là. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Faut que je... Alors, continue à maintenir. Ouais, ça, c'est pas mal. Ah, attends, c'est pas mal. C'est pas mal, mais on a des reliques. Bah, de toute façon, les reliques, elles sont bonnes. Tout ça, c'est bon. Enfin, après, il y a peut-être cette attaque qu'on voudrait augmenter, en fait. Peut-être. Enfin, j'en sais rien. Honnêtement, je la kiffe, cette attaque, tout simplement, parce qu'elle est rapide à faire, elle est très facile à faire, je suis protégé. Puis ça absorbe le... Ça absorbe l'élément. L'autre, c'est 103 secondes, elle, c'est 68. Je me suis perdu. Ouais, non, ça, on peut pas. Hein. Très puissant. Très puissant, la récupération de rage, là. C'est... Ouais. Vraiment puissant. Par contre, je vois un hôtel, là-haut. Si on arrive à l'atteindre, on pourra agir sur le temps. Ok. Ah, ils viennent tous. Oh la vache, même d'accord. Ok, merde. Pas le moment quoi. Ouais, c'est pas le moment. Putain, j'allais faire le courroux là pour foncer dessus. Putain, la récupération de rage avec les prises R3 là. Ouf, avec la lance, ça, là je suis content. Là c'est cool. Parce que les armes que j'utilise le plus, c'est le. En combat, je parle pas les. Pas les runes, c'est vraiment la hache et la lance maintenant. Donc, ouais. Oh. Ah tiens, les autres ils sont morts. Okay. Ah.
Oh non, t'es sérieux, il m'a... Désolé, je crève comme un débile là-bas. Je crève comme un débile. Le machin, il a été stunné. Enfin, il a pas été stunné, c'est ça le truc. On lui faisait plein de dégâts et... Mec, le truc, il s'en foutait complètement. Putain, je suis mort comme une merde. Enfin, on n'allait pas mourir, honnêtement. C'est le putain de dragon qui m'a tué tout à l'heure. C'est relou. Ah mais, oui mais, il est ici. Bon, d'accord, je peux pas... Son lance-lame, il est trop puissant en fait. Il balaye toute la zone. Enfin, il balaye où je suis en fait. Je pensais que je pouvais combattre et genre me déplacer rapidement et l'ignorer, mais en fait non. Faut que je regarde où il se met et faut qu'on l'attaque pour le faire partir. Ah, fait chier. J'aime pas crever bêtement, là. C'est débile. Perdre du temps pour rien. Je les ai vus venir trop tard apparemment. Ouh, c'est relou, putain. C'est relou. Je crois qu'on va se taper le dragon à plusieurs endroits comme ça jusqu'à ce temps qu'on le bloque quelque part et qu'on le combatte. Ça me rappelle du Dark Souls où il y avait un dragon qu'on voyait. Peut-être le 3, j'en sais rien. Qu'on rencontre plusieurs fois en fait. Et on le combat à la fin en fait. Et à chaque fois, il s'en va en fait. Allez, go. Ah, il est parti. Ou il se met à une autre position. Putain de ta mère! Ok, il se met à une autre position. Mais nique-toi, j'ai pas envie d'utiliser ma pierre. Nique-toi, le truc était mort, quoi. Il s'est pas pris mes flammes, ça me déchire pas. Ouh, je commence à m'agacer là. C'est un combat tout con. Et ça va pas passer. What the fuck? Il a été tué par je sais pas quoi. Alors là, ça c'est débile, ça.
Non, il faut le faire partir là. Oui, non, il est un peu débile là, le dragon quand même. Je crois que le monstre est mort automatiquement, hein, parce qu'on l'a pas tué. Hein. Mais putain! D'où? Gare au dragon! C'est bon ou... J'avais crevé au bout d'un moment. Je sais pas pourquoi je fais une roulade sur le côté. Je devrais faire une roulade en arrière en fait. C'est débile. Non mais là le machin il part pas. Tout à l'heure il était parti. Je me suis dit il faut peut-être faire un nombre de dégâts. Puis après il part quoi. Mais le mec il reste. Oh là là, ça casse les couilles. Si on peut rien faire s'il est là. On peut pas ouvrir les coffres, rien. Trop bien, il y a plus d'ennemis et plus rien quoi. Je crois, j'ai l'impression qu'on a perdu l'expérience en plus du coup. Trop bien. Encore un cadavre. Nous sommes donc sur la bonne voie. On se rapproche. Au début, le dernier qu'on a rencontré ressemblait à un tas de cailloux. Je me rappelle plus du le mangeur d'âme, je me rappelle plus ce que c'est. Pousse-toi, gamin. Non. Bon, bah, j'ai rien dit. C'est quoi ça? Cette bosse a l'air bizarre. Voilà qui est curieux. Qu'est-ce que c'est? Aucune idée. D'où ma curiosité. Mais les cristaux sont précieux. Nous leur trouverons bien une utilité. Éclat cristallin. Bon, le machin là qui chante là. Y'a pas de passage. Faire tout le tour. Y'a machin connard qui va se ramener sa gueule là. Non. Qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord aider machin parce que... Peut-être le sauver en fait, le mec. D'abord. Au lieu de... C'est quoi ça? Hôtel Céleste. Ouais, on va d'abord aider le mec. On va devoir sûrement combattre le dragon du coup. Soyez vigilants. Oui, certains rochers ne sont pas comme les autres. Ah ouais, mais on fera ça après. Corbeau. Oh, attends. Non, mais ça on touche pas.
pourra pas passer tant que le soleil brillera. Ah, ok, d'accord. Ça marche. Donc ça, ça pousse... Ah, mais c'est pour ça qu'elles étaient fermées. Elles étaient abaissées, en fait. Les... D'ordinaire, ces points vulnérables vont par trois. Il y en a certainement un autre par ici. Ah, ok. Dans la forêt, il y en avait des baissées, en fait. Parce qu'en fait, elles étaient... Elles étaient... C'était la nuit. Pour faire le tour. Comment? Ouais, mais attends, t'es marrant, toi. Par 3, par 3, mais... Genre sûrement derrière, j'imagine. Mais comment je fais, moi? Ah. Bon, j'avais dit que j'aimais bien la zone, mais là, elle commence à être un peu relou. Oh, nique-toi. Tenez-vous prêt. Non. Ah, mais c'est ça les mangeurs d'âmes. Mais nique-toi. Attention, dragon. C'est une catastrophe. Il s'en va. Ah, merci mon dieu. Ah oui, c'est ça les mangeurs d'âmes. Où ma lance? Bon ben voilà. C'est terminé. Peut-être la vie pourra-t-elle à nouveau prospérer. Andvari serait content de savoir qu'on en a tué un autre. Andvari, le nain qui a transféré son âme dans un anneau. Lui-même, il a créé les mangeurs d'âmes. Qu'est-il advenu de ce maudit Lascar? Je l'ai prêté à Sindri, il dit qu'il l'a perdu. Ah hein, perdu. Ah. Marque du chasseur. Permet de fabriquer l'armure du chasseur. Cool. Ah, il y a tout plein de trucs à chaque fois. Ouais, non, avec les eux, ils étaient aussi dans le 1. Mais là, avec la lance... Enfin, c'est carnage, quoi, avec la lance. Genre, le tir chargé, ça tape plusieurs fois dans le cœur. Hein. Donc, bon, hein, c'est... ils font pas le poids, les machins. Ils font pas du tout le poids. Alors, chance très élevée d'obtenir un regain de santé à chaque élimination par attaque runique. Ouh, ça m'intéresse...
On va le mettre au dernier emplacement, ça, par contre. Une élimination à avec de la rune. J'aime beaucoup cette zone. Elle est grande et tout. Il y a plein de trucs différents. Mais elle est un peu casse-tête. On ne passera pas tant que la barrière séisre sera en place. Ah mais du coup... Les flèches sigillaires ont l'air inefficaces. Marie, qu'on peut entrer dans le camp de revenante. Ah! Les revenants, c'est une catastrophe. On va s'amuser. Ah, oh, ça les protège. Ok. Mon Dieu. Que faisaient ces séistres ici? Certains Van se sont tournés vers la magie noire pour se protéger des As, non sans conséquence. Bon, ça va. Ça s'est bien passé. Qui a-t-il décrit? Je sais pas, lis gros, lis. Excuse, je suis désolé. Marrant ces trucs, ça les protégeait quoi. Intéressant. Ah. Bon ça va, c'est pas difficile. Oh yes. Est-ce qu'il y a autre chose ici? Non. Bon, on va s'arrêter là. Je vais être sûr, il y avait vraiment plus rien. Ouais non, c'est fini. Ouais. Tuer avec une runique, regain de vie. C'est intéressant. Ouais, on va donc peut-être le mettre. Ah. Elle est où là? Ah, il nous faut le cœur. Ouh là là, qu'est-ce que c'est chiant ici, il se casse. Ah, trouvé. Ok, on finit ça et on y va. Et on s'arrête. Je crois que j'ai trouvé l'endroit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la musique est s'affole? Ah. Eh. Bon appétit les chiens.
Nickel. Que veux-tu ? Ah, c'est sa moitié. Que veux-tu, esprit ? J'étais sur l'eau. Il y avait un message que je devais transmettre. Les As et Thor, je dois me rappeler. Le message doit être délivré. C'était important. Mon commandant attend mon retour. Ça doit faire longtemps qu'il attend. Dis-nous, quelle est la dernière chose dont tu te souviens ? Je voyais rouge. De colère. Contre les As. Et il y avait ces arbres rouges. Je vous en prie. Aidez-moi à recouvrir la mémoire. Alors je pourrai vous parler de ce jour-là. J'imagine qu'elle s'est fait tuer par Thor. Thor cherchait à affronter l'armée des Vannes. Les Vannes ont affronté les As dans cette vallée ? Oui, une bataille que les Vannes ont fini par perdre. Mais quel rapport y aurait-il entre l'éclair gelé et ce conflit ? Il n'y a qu'une façon de le savoir, mon frère. Il faut chercher. Je pense que... Oh, j'avais pas vu, putain. Encore un de ces mystérieux cristaux. Vu qu'il y avait des éclairs tout autour d'elle, j'imagine qu'elle s'est fait tuer par Thor. Il l'a électrocuté. L'Inquas gardien. Peu 6 ? Plus 6, ça tue ? J'entends un corbeau. Alors on va s'arrêter là avant qu'on continue, parce qu'il y a tellement de choses. On peut monter notre armure au niveau 7, du coup, si je dis pas de conneries. 25 000, ça c'est bien. Atreus. Atreus, il a aussi des trucs. Je les utilise pas vraiment, les flèches sigillaires, c'est surtout du Sonic que j'utilise. Je trouve les Sonic vraiment intéressantes pour l'étourdissement. On va s'arrêter là. Ça se passe bien, ça se passe bien. Nouvelle zone, grande zone avec plein de nouvelles quêtes. Méga grande zone, méga méga grande zone. Et puis en plus apparemment la zone change quand on met du... La nuit ou le jour. Oh, chasse au dragon, chasse épique, victime de guerre. Chasse épique, je crois que c'est les mangeurs d'âmes. Coffre légendaire, Norn, corbeau. Ça tue. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao!